Ah, bonjour les amis de YouTube. Donc, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait le live sur ma page Pro CF qui pourrait être diffusée maintenant sur le groupe La Phénoménance d'être soi, sur le groupe privé Les Magiciens Joyeux du Mieux-être. Et je n'ai pas enregistré, donc je refais l'enregistrement pour la chaîne YouTube. De quoi nous avons conversé ou de quoi je vous invite à causer avec vos amis, avec votre entourage. Je vous invite à causer de cet outil que bientôt je vais présenter donc sur la page pro. C'est un outil pour découvrir tous les outils d'accès à la conscience. Je les ai animés en conférence, pour présenter ça en conférence aussi bien pour l'entreprise, aussi bien pour les particuliers, et donc de donner aussi des documents. Donc le document, je ne le mettrai pas en document sur Facebook, hein, puisque c'est ma page pro, mais vous pourrez le demander en MP pour tous ceux qui y participeront et regarderont après la vidéo. Et alors dans ce document, il y a un document qui pose une question. Il y a un élément, pardon, un outil qui pose la question. J'ai fait tellement de choses, j'ai animé mon groupe pour sa cinquième semaine sur être toi et à être toi, en étant aligné à être à toi, tout en étant non séparé de tout ce qui t'entoure, de tout ce qui est présent à la conscience que tu as de ce qui est, et d'ouvrir cette conscience avec tous les outils d'Access Consciousness. On en est à la cinquième semaine, ça sera quelque chose que tu pourras recevoir en allant sur le nouveau site que j'ai créé depuis décembre et ça sera disponible aussi longtemps que... Voilà, je choisirai avec tous les calls, tous les replays. Et donc, toutes les créations seront, je vais les indiquer ici sur, peut-être mettre le lien aussi sur en bas pour que tu puisses aller voir ce nouveau site. Alors, cet outil, c'est la question. Oui, la question est un outil. Et ce que j'ai raconté, c'est qu'au départ, quand j'ai utilisé cet outil, automatiquement, il y avait plein de réponses qui venaient. Et des fois, je me suis amusée à l'utiliser quand il y avait du monde, ça venait spontanément. L'outil de la question, comme essaye-la, comment cela devient encore mieux que ça? Et comment cela devient encore mieux que ça? Comment cela devient mieux que ça? Comment cela devient encore mieux que ça? À chaque fois, il y avait des réponses qui venaient. Et quand je le disais tout haut devant des personnes, selon une situation, les personnes avaient des solutions, mais c'était les solutions qui étaient idéales. Par exemple, un jour, je l'ai utilisé avec mon coiffeur. Je suis arrivée en retard, partie en retard, hein, c'était vraiment tout ça, c'était créé par moi-même, mais comme un fait exprès. Eh bien, j'ai utilisé la question puisqu'il ne pouvait pas me prendre, arrivant en retard, il ne pouvait pas me prendre, il avait un rendez-vous, et j'ai demandé quoi d'autre était possible. Et il a tout de suite agi en allant voir son calendrier, il m'a dit, je peux vous prendre dans 1 heure. Excellent. Comment cela devient-il mieux que ça? Et c'est ça, sans chercher des réponses. Ça ouvre les portes des possibilités. Ça ouvre les portes des possibilités que tu ne peux même pas imaginer. Puisque quand tu vas avoir des réponses, et donc j'ai exprimé l'expérience que j'avais eue sur un voyage où je voulais voir ce que ça pouvait créer à demander comment. Il pouvait y avoir autre chose qu'un temps de transit qui était très long sur un temps de transit entre deux avions. Et j'ai eu une première information.
comme quoi, c'était pour mon retour. Et à mon départ, l'information que j'ai eue, c'est que le retour était diminué, le temps de transit était diminué d'un quart d'heure. Comment cela devient-il mieux que ça? Demande toujours comment cela devient-il mieux que ça, quand c'est agréable et quand c'est désagréable aussi, hein, dans des situations désagréables. Et comment cela devient-il mieux que ça, encore mieux que ça? J'ai après rencontré quelqu'un qui m'a parlé que normalement, quand il y avait des temps de transit pendant la nuit, on était logé à l'hôtel et ce n'était pas noté sur nos billets. Ok, comment cela devient-il mieux que ça? Et au moment de mon retour, j'ai entendu quelqu'un dans l'avion qui disait, le compagnon disait à sa compagne, tu te souviens, il faudra bien penser, suivre, aller sur l'allée du transit. Alors, j'ai dit, tiens, c'est une information auquel je ne pensais pas, je ne connais pas, et je vais suivre ce couple. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, tous ces les choses se sont installées sans que j'aurais pu imaginer que ça puisse exister, puisque ce n'était pas noté sur mon billet. L'hôtel était réservé et donc faisait partie de mon voyage. Et j'ai dormi à l'hôtel avec un petit déjeuner le lendemain matin pour reprendre le deuxième avion. Comment cela devient-il encore mieux que ça? Et donc, un outil que je t'invite à poser régulièrement à chaque fois qu'il arrive quelque chose d'agréable dans ta vie, mais aussi désagréable, et voir ce que ça peut créer de différent autrement que toutes les solutions auxquelles tu vas essayer de mettre en place par rapport à ce que tu connais déjà. Sans ces solutions-là, tu recommences, si ces solutions-là, pardon, se présentent à toi, recommence à poser la question, comment cela devient-il mieux que ça? Pour découvrir quelles sont les infinies possibilités qui peuvent s'ouvrir à toi. Voilà l'outil, comment je le présente, comment j'invite à le présenter pendant la conférence, comment moi je l'ai vécu, comment moi je l'ai maintenant mis sur pattes et je vis avec sur pattes. Je suis la question, hein, et j'en ai bien d'autres et j'en ai d'autres encore. Je suis dans cette question-là. Comment cela devient-il mieux que ça? Ok, donc si tu as des commentaires, ça va pas être possible de les mettre sur YouTube. En tout cas, tu peux effectivement t'abonner à ma chaîne. Tu peux recevoir comme ça des notifications à chaque fois qu'il y a des outils, à chaque fois qu'il y a des vidéos qui se déroulent ici pour la phénoménance d'être soi. Tu as ma page pro, donc déjà mon profil sur Facebook. Et puis mon site qui sera indiqué en bas en référence en coordonnées pour savoir tout ce qu'il y a comme création, tout ce que je fais, tout ce que je propose aujourd'hui de recevoir pour cette année 2021. À très bientôt et je te dis bye bye.